Voilà ce qui arrive quand on se déclare appelé à la joie. Alors, un texte dans la Bible pour notre méditation ce matin qui ne se passe pas dans la maison d'Abigaël, mais d'Abinadab. C'est dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 6, les 8 premiers versets. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu. Cette arche devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent depuis la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ahio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahio allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakhon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place. Uzza mourut, là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza. Frères et sœurs, laissons là les cymbales, les sistres et autres chorégraphies davidiques et prenons notre petit livre bleu pour y chanter le cantique 204. Nous nous levons et chantons les strophes 1 et 2 de ce cantique qui accompagnera la carrière de cette jeune enfant. Amen.
Éternel, garde-nous de nous croire arrivés et de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une nouvelle rencontre avec ton évangile, celui qui retentit au milieu de ces mots d'hommes et de femmes. Aide-nous à l'entendre sous d'autres lumières, sur d'autres musiques. Aide-nous à faire en sorte que jamais le passé ne nous enferme, mais que par ton esprit, nous soyons prêts à répondre à ton appel et à prendre le départ comme de vrais enfants d'Abraham. Chers frères et sœurs, ce récit est tout à fait anecdotique, mais il expose une situation qui, par les temps qui courent, est loin d'être anecdotique. En effet, ce récit met en scène tout simplement la question du blasphème. Et le blasphème a une fois de plus occupé la scène médiatique et le débat. Le débat s'est rapidement placé au niveau de la liberté d'expression, notamment en ce qui concerne les caricatures récemment publiées. Enfin, je dis les caricatures comme si cela faisait référence forcément des caricatures qui ont été récemment publiées. Et un large consensus s'est finalement dégagé pour dire qu'au nom de la liberté d'expression, il fallait tenir bon sur ce qui a été finalement appelé un droit au blasphème. Ce qui n'est pas sans poser question tout de même. Un droit au blasphème. À titre personnel, je trouve curieux que dans ce débat, seule la liberté d'expression ait été convoquée. La liberté d'expression pour garantir un droit au blasphème et pour maintenir le principe des caricatures qui ne manquent pas en direction des religions. La liberté d'expression. Il n'y a pas de totale liberté d'exprimer des propos racistes. Et c'est heureux, je trouve. Il n'y a pas de totale liberté d'expression de propos homophobes. Il n'y a pas de totale liberté d'expression de propos antisémites. Il n'y a pas de totale liberté d'expression de propos outrageant les personnes chargées du service public. Et on peut donc se demander ce qui justifierait des propos, des images, des gestes, des attitudes blasphématoires. On peut s'interroger sur les raisons aussi qui conduiraient certains à considérer qu'on peut faire toutes sortes de caricatures, tenir toutes sortes de propos visant
à dénoncer des extrémismes religieux visant à dénoncer des dérives, sans prendre le soin de tenir compte des personnes auxquelles cela s'adresse, sans tenir compte de leur cadre culturel, sans tenir compte de leurs références, sans tenir compte de leurs codes. Un point sur lequel Rachid Benzine et le doyen Raphaël Picon reviennent dans le monde des idées de cette semaine. Lorsqu'on communique, et après tout une caricature, une vidéo, c'est fait pour communiquer. Lorsqu'on communique, le moins est de tenir compte de la personne à qui on s'adresse. Sinon, ça risque de tomber dans l'oreille d'un sourd ou d'être mal compris. Ne faut-il pas commencer par se demander quelle est la bonne manière pour se faire comprendre de son interlocuteur ? Essayer de tenir compte de ses schémas de pensée. Cela pour mieux se faire comprendre, mais aussi pour éviter de le blesser. Et puis communiquer avec lui vraiment. Si je ne tenais pas compte du vocabulaire supposé de cette assemblée, je serais tout à fait incompréhensible à utiliser tous les mots techniques de la théologie. Il faut donc bien que je m'adapte, mais ce n'est pas un nivellement par le bas, c'est simplement tenir compte de vos schémas de référence. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est s'agit-il de communiquer vraiment dans ces dernières affaires médiatiques ? Quel est le projet de cette vidéo déclarant dénoncer tel ou tel fanatisme ? Quel est le projet de telle caricature visant à dénoncer tel ou tel intégrisme ? Est-ce que c'est d'aider à pacifier les relations entre personnes ? Est-ce que c'est d'aider ceux qui tiennent des propos estimés intégristes ou fanatiques ? Est-ce que c'est de les aider à changer un peu ? Ou est-ce que c'est tout simplement de rentrer dans une logique d'affrontement dont on espère que l'issue soit l'élimination de l'autre ? Bref, est-ce que lorsqu'on s'adresse à quelqu'un que l'on estime dangereux, on s'adresse à lui de manière à le rendre moins dangereux ou de manière à l'éliminer. Bref, le seul motif de la liberté d'expression ne me semble pas forcément être le plus opérationnel dans cette affaire et, comme le dit à nouveau le doyen Picon, il ne serait peut-être pas mal de faire intervenir des théologiens dans des affaires religieuses. Et je crois que ce texte biblique peut nous aider à réfléchir de manière théologique à cette question du blasphème, et peut-être de manière plus opératoire, de manière plus efficace, que simplement en fonction de ce principe d'une liberté d'expression dont on a vu qu'elle ne s'appliquait pas universellement de la même manière. Et tout d'abord, intéressons-nous à ce qu'est le blasphème. Dans ce récit, vous avez entendu qu'il est question d'un homme qui s'appelle Uzza, fils d'Abinadab. Il est fautif d'avoir tendu la main vers l'Arche d'Alliance et de l'avoir saisie. L'Arche d'Alliance, c'est le coffre dans lequel ont été placées les 10 paroles dont la tradition dit qu'elles ont été reçues par Moïse sur le mont Sinaï. C'est aussi le trône divin dont il est dit que les chérubins constituent le siège de Dieu. Donc une première interprétation de ce texte serait la suivante. En saisissant l'Arche d'Alliance, Uzza met la main sur le divin. Il a le divin à sa pogne, et cela peut être considéré comme un sacrilège. Mettre la main sur le sacré, c'est bien sûr prendre possession du sacré, c'est prendre la place du sacré, c'est se prendre pour Dieu. Ce qui est sacrilège. Saisir l'Arche d'Alliance peut donc être compris comme un crime de lèse-majesté qui mérite une sanction immédiate, car c'est le point de fusion entre l'homme et Dieu, entre le fini et l'infini, et cela n'est pas acceptable. Cela n'est pas possible. Dans cette interprétation, Uzza est capable d'avoir transgressé la séparation entre le sacré et le profane. Et c'est cette interprétation qui est sous-jacente à la révolte de ceux qui condamnent les caricatures sans appel, qui condamnent le principe même de la caricature. Toucher au divin, c'est blasphématoire. C'est condamnable parce que c'est porter la main, c'est porter atteinte à ce qu'il y a de plus absolu. Mais revenons à l'Arche d'Alliance.
à la fois récipient du décalogue et siège du divin. Toucher l'arche, ce n'est donc pas toucher l'Éternel au sens strict du terme. L'Éternel est précisément au-delà de l'arche. Il est au-delà de cet ustensile religieux. Il est même d'ailleurs au-delà de tous les ustensiles religieux. D'ailleurs, comment pourrait-on imaginer que l'Éternel soit contenu dans une boîte alors que Salomon lui-même, plus tard, dira que le temple de Jérusalem ne saurait contenir l'Éternel ? Combien moins cette boîte qui sera posée dans la plus petite pièce du temple de Jérusalem ? Alors quel est le problème ? Quel est le problème avec Uzza qui, quand même, part d'une bonne intention ? Il cherche à éviter que l'arche tombe par terre. Je veux dire, la plupart d'entre nous auraient fait de même. Si un jour vous voyez une coupe de communion sur le point de tomber, vous allez essayer de la ramasser. Si ma Bible est sur le point de tomber, vous allez essayer de faire en sorte qu'elle ne touche pas de terre. Et pourtant, c'est cela qui est condamné, le fait que Uzza évite que l'arche soit traînée dans la boue. Uzza est déclaré fautif d'avoir voulu protéger l'arche. Et dans cette histoire, Uzza blasphème en voulant protéger les objets de la religion. Le blasphémateur, c'est celui qui assimile la religion, ses ustensiles, ses serviteurs, ses institutions, ses paroles, ses enseignements, avec le divin lui-même. Celui qui réduit le divin à ses manifestations religieuses. Le blasphémateur, c'est celui qui réduit l'Éternel à ce que les hommes en disent, à ce que les hommes en pensent, à ce que les hommes construisent matériellement ou spirituellement pour signifier sa présence. Le blasphémateur, dans cette perspective, c'est celui qui affirme que les caricatures de la religion sont un blasphème, alors qu'elles ne concernent pas le divin, mais des sous-produits du divin. Ici, le texte nous dit que le blasphémateur, c'est celui qui affirme que les caricatures sont blasphématoires. Alors que faire des blasphémateurs ? À première vue, c'est simple, peine de mort. Après tout, n'est-ce pas ce qui est promis à Salman Rushdie ? Et pour notre trésorière, je rappelle que c'est quand même 3,3 millions de dollars qui sont promis pour la tête de Salman Rushdie. Je veux dire, ça pourrait nous épargner quelques problèmes. L'équipe de la vidéo « L'innocence des musulmans » Même, c'est pas le même tarif, mais c'est le même principe, pour ne prendre que deux exemples. Mais je crois que ce qu'expose le texte biblique est bien autre chose qu'une exécution capitale. Écoutons la plainte de David. Et écoutons-la au plus près du texte hébreu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait ébréché Uzza. Et ce lieu a été appelé Brèche Uzza. Jusqu'à ce jour. David ne se lamente pas de ce que Uzza aurait été exécuté, mais qu'il a été ébréché, qu'une brèche a été faite en lui. Alors, j'ai lu le texte plusieurs fois, et je ne suis pas sans savoir qu'au verset précédent, on a dit que Uzza était mort, là, avec l'Arche d'Alliance. Mais de quelle mort s'agit-il ? Une brèche a donc été ouverte en Uzza. Une brèche dans ses certitudes, dans sa vision étriquée d'un dieu à main d'homme, d'un divin qu'on pourrait brandir soit comme un trophée, soit comme une arme parfois. Une brèche a été faite dans Uzza, nous dit David. Une brèche peut-être dans ses préjugés, dans son système de référence, dans sa propre théologie. Alors c'est vrai, c'est écrit. Uzza est mort. Le Uzza du début du texte est mort. Il est mort à sa vision du monde, il est mort à sa compréhension de l'absolu. Uzza est mort, de manière à pouvoir ressusciter à une autre approche de l'absolu, une approche plus spirituelle. Au fond, il n'est pas impossible que dans cette expérience, Uzza ait
constaté qu'il s'était trompé d'ultime, que ce qu'il pensait être l'objet de sa foi n'était en fait pas le sujet de la foi, que ce qu'il appelait Dieu n'était pas Dieu, mais un sous-produit de Dieu. Oui, effectivement, il a touché l'Arche d'Alliance, mais la Terre ne s'est pas arrêtée de tourner pour autant. Les étoiles ne se sont pas écrasées sur Terre, la mer n'a pas recouvert le sol, les oiseaux ont continué à chanter, il y a même certainement eu d'autres naissances encore ici et là. Des enfants ont continué à naître et l'air était encore respirable, en dépit du fait qu'Uzza avait touché l'Arche d'Alliance. En touchant l'Arche d'Alliance, en fait, il n'y a pas eu de fusion entre le fini et l'infini. Lorsque Uzza a touché l'Arche d'Alliance, en fait, il ne s'est rien passé. Pas de bouleversement cosmique. Le monde n'a été ni meilleur ni pire qu'avant. Il ne s'est tout simplement rien passé. L'Arche d'Alliance, tous les instruments de la religion, tous les serviteurs de la religion, ce n'est pas Dieu lui-même. Le mot Dieu n'est pas Dieu lui-même. Le nom dont il est rappelé qu'il était prononcé devant cette arche, le nom de l'Éternel, n'est pas l'Éternel lui-même. Je crois que nous avons là un texte qui nous parle de la réforme. Uzza est un réformé. Il a réformé son point de vue théologique. Et dans sa mort, il a entraîné ses conceptions théologiques erronées pour ressusciter à une compréhension nouvelle, pour susciter la possibilité de faire de la théologie, vraiment, de réfléchir à ce qu'est l'ultime, vraiment, en le distinguant de ses substituts qui, eux, ne sont que des caricatures. En soi, la religion est une caricature de l'ultime. Le blasphème, ce serait de confondre Dieu avec ses caricatures. Et je crains que ce ne soit pas à coup de caricatures et de contre-caricatures, que ce ne soit pas à coup de films de dénonciation en tout genre que l'on permette à tout un chacun d'accéder à une compréhension plus authentique du divin. Je pense en revanche que, comme cela s'est passé avec Uzza, le dialogue de nature théologique, penser à ce qui se passe, réfléchir théologiquement à notre quotidien, au fait que même lorsqu'on prédit des catastrophes cosmiques parce qu'il y aurait blasphème, en fait, il ne se passe rien. Je pense que toutes ces expériences de la vie, notre réflexion sur le mal, notre réflexion sur les bienfaits ou les méfaits de telle ou telle attitude, devraient toujours nous aider à repenser la théologie et à relativiser ce qui doit l'être, à faire des brèches dans nos sectarismes. Faire de la théologie non pas simplement en ayant le nez sur l'Arche d'Alliance, non pas simplement sur les textes bibliques, mais en tenant compte aussi de notre vie quotidienne, de nos expériences, de nos rencontres, de ce que nous voyons, de ce qui est là, à portée de main. Et cela, ça serait bien que nous le fassions, nous qui nous sentons parfois un peu préservés de tous ces problèmes de blasphème, d'idolâtrie, de caricatures malheureuses, etc. Peut-être qu'il ne serait pas mauvais de penser à nouveau frais à nos positionnements et à nos convictions. Parce que dans une certaine mesure, je crois que par bien des aspects, il nous arrive d'être blasphémateurs sans bien nous en rendre compte. En tant que chrétiens, ne sommes-nous pas, et là je mets tous les chrétiens dans le même panier, ne sommes-nous pas trop souvent des païens déguisés en monolâtres, bien campés sur nos certitudes? Je veux dire, est-ce que nous ne nous réfugions pas non seulement derrière les grandes figures du passé, mais aussi derrière de beaux concepts développés par nos traditions, par nos spiritualités, pour nous éviter l'effort de notre pensée personnelle, d'une théologie réactualisée. Qu'est-ce que la théologie française a produit ces 50 dernières années ? Pas exceptionnel, hein. Et je suis co-responsable avec les autres. Dans les pays anglo-saxons, il se passe des choses. En Allemagne, il se passe encore des petites choses, mais en France. Mais ça va plus loin que cela. Ce n'est pas simplement le discours théologique qui est à revoir.
n'est pas simplement les formulations doctrinales qui sont à repenser. Souvent, on parle des protestants en bien en disant qu'ils sont dans leur temps. On évolue avec la société, on n'est pas arc-bouté sur le passé. Bref, nous sommes en phase avec les questions de notre époque. À première vue, c'est super bien. Mais à la lecture de ce texte, cela revient à dire que tel Ouza, nous sommes à côté de l'arche, bien en phase. Et on voit à quoi cela mène. La bonne place est celle de son frère, Ario. Enfin, pas Ario de Janeiro. Ario, qui est devant l'arche. Ario précède, il ouvre la voie, il ouvre une brèche lui aussi. Probablement est-il ébréché lui-même pour pouvoir ouvrir cette brèche. Comme le sera plus tard Jean le Baptiste, Ario est un éclaireur du sens. Il est à l'avant. Il éclaire. Il est probable que Ario aurait fait sienne cette béatitude de Michel Audiard. Heureux les fêlés, car ils laisseront passer la lumière. Ario n'a pas l'œil rivé sur l'Arche d'Alliance. Ce n'est pas simplement le problème d'avoir le regard fixé sur le passé, en arrière, comme du temps de Sodome et Gomorre. C'est bien le fait que Ario n'a pas l'œil fixé sur l'Arche, mais qu'il est tout orienté vers l'horizon qui s'ouvre devant lui, orienté vers l'avenir. On pourrait peut-être se dire qu'il y a là une sorte de figure de l'insouciance, qui avance sans se préoccuper des dommages collatéraux. Après tout, Ario ne se préoccupe pas de savoir quelle est la situation de l'arche, si elle risque de tomber ou pas. On peut penser que c'est peut-être une attitude fanatique qui a tendance à laisser derrière soi les blessés de la vie, ceux qui n'arrivent pas à suivre, ce genre de fanatisme qui a pour slogan « marche ou crève », et crève de préférence. Mais Ario n'est pas à la tête du peuple. Il n'est pas comme David. Ario est à la tête de l'arche. Il est devant l'arche, à bonne distance. Une distance critique qui lui évite les réflexes identitaires qui feraient coïncider Dieu avec ses marchepieds. Ario n'a pas la responsabilité du peuple, mais celle d'apporter l'ultime au plus proche de chacun. Et pour cela, il prend ses distances avec ce qui est censé contenir le cœur de sa foi. Il va de l'avant, quitte à laisser tomber l'arche. C'est lui qui était à la manœuvre. C'est donc lui qui a guidé les bœufs. C'est donc lui qui a fait passer les bœufs par un chemin qui a fait chavirer l'arche. Et cela n'a pas offensé le divin pour autant, contrairement à l'attitude de Ouza. Rapporté à notre niveau, je crois que nous ne devrions pas craindre, parfois, souvent, de laisser tomber la Bible. Non pas faire fi de l'Évangile, cet Évangile dont nous avons la révélation à travers ces textes, mais prendre nos distances avec le vocabulaire religieux, avec les concepts religieux, et dire avec le philosophe Henri Atlan que le seul discours sur Dieu qui ne soit pas idolâtre, c'est un discours athée. Et je m'autorise à une sorte de procès d'intention. Une direction de mon confrère, Brice. Procès d'intention, c'est que je fais le postulat que s'il y a une rencontre, le jour où il est venu à l'Institut européen des sciences religieuses, qu'il y a une rencontre et que Abigail a été, en quelque sorte, touchée, c'est peut-être parce qu'il avait laissé un peu tomber les habits du religieux, qu'il avait un peu laissé tomber la Bible dans ses formulations, mais pas dans son cœur, pas dans son message. Pas dans sa puissance. Ario prend ses distances avec sa propre culture pour rejoindre la culture de celui vers qui il se rend. Pour lui faire entendre sa part de vérité dans la langue de son interlocuteur, comme à Pentecôte, et ainsi donner soif du véritable absolu. Non pas une sorte d'ersatz qu'on trouve à la surface des textes bibliques,
mais le véritable absolu que l'on voit se dessiner derrière et qui pousse toujours, mais de façon sourde. Ario était manifestement ébréché lui-même pour pouvoir créer de nouvelles brèches parmi ceux qu'il allait rencontrer. Un réformé de son époque, et au point où j'en suis, probablement un réformé libéral. Ça, c'est vraiment un procès d'intention. Mais ce n'est pas blasphématoire. Ce qui serait blasphématoire, c'est de considérer que cette attitude d'Ario est à suivre à la lettre et que, automatiquement, mécaniquement, cela fonctionnera. Et que Dieu est dans les mécanismes, que l'Éternel est dans les automatismes religieux, dans le prêt à répondre, dans les formules toutes faites. Ario peut nous aider à penser notre manière d'éviter les chocs de civilisation, que certains jugent pourtant inévitables. Parce que Ario témoigne à sa manière que l'Éternel nous a franchis de nos servitudes religieuses, que nous pouvons donc nous débarrasser de certains oripeaux qui peuvent ou effrayer ou rendre les choses incompréhensibles pour d'autres qui ne sont pas habitués aux mêmes textiles, qui ne sont pas habitués aux mêmes formulations, qui ne sont pas habitués aux mêmes formes. Et nous savons à quel point notre regard, notre intelligence s'arrête trop souvent sur la forme au lieu d'aller au cœur des choses. Ario témoigne que l'Éternel nous libère et libère notre intelligence, libère notre créativité, libère notre savoir-être, tout notre être, pour précisément cesser de s'intéresser simplement aux questions religieuses, aux questions de forme, aux questions de convenance, et pour s'intéresser à ce qui fait vraiment le cœur de la question théologique, pouvoir penser ce que « être » veut dire. Amen.